Ciao Jen, je me nomme Christiana, je suis membre du mouvement des Focolari. Ce mois d'avril, nous avons une semaine monde uni, donc nous avons choisi comme activité don de sang qui se passe actuellement au Centre national de transfusion de sang. Donc, je sors de là de ma transfusion, tout s'est bien passé. Au début, j'avais peur, mais après, tout s'est bien passé. C'est ma première fois de faire un don de sang. Donc, il n'y a pas à faire un drame, tout se passe bien. Je vous invite à toujours prendre soin des autres. L'importance de donner le don de sang, c'est de prendre soin des autres, de vos familles, parce que nous savons que dans la société, nous avons souvent des problèmes de don de sang. Nous avons certains de nos parents qui manquent souvent de sang. Donc, je vous invite à faire ce don de sang régulièrement. Venez prendre soin de vous et de vos parents. Oser prendre soin, c'est pas forcément vos parents, mais aussi tout individu qui aura besoin de ce sang. Ciao à toutes et à tous. Je me nomme John Michael, membre du mouvement des Focolari. Nous sommes ici au centre de transfusion sanguine à l'occasion de la Semaine Monde Unie. À cette occasion, j'ai pris la peine avec mes frères et sœurs de tenter de sauver l'humanité par un geste de grandiose qui consiste à donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir vivre, espérer encore dans la vie. Nous en appelons toujours à la sensibilité de tout un chacun et surtout et par-dessus tout à l'humanité de tout un chacun, parce que aujourd'hui nous nous rendons compte que bon nombre de citoyens gabonais en particulier ne se donne pas à cœur joie de vouloir faire un don de sang. Pourquoi? Mais parce que tout simplement il y a un certain scepticisme, un certain regain d'inhumanisation qui se dégage dans le regard des gens. Or, dès lors qu'on se considère d'abord humain, on est systématiquement et de façon naturelle partagé par l'envie de sauver la vie de l'autre. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grandiose de pouvoir vouloir sauver la vie d'une personne. Donc j'en appelle à tous et à toutes de pouvoir vous présenter au centre de transfusion sanguine. Apprenez à sauver des vies. C'est rien de plus beau, j'ai envie de me répéter là-dessus.